MSCI 2014, la richesse des entreprises exposantes. L'exposition rassemblant 260 exposants, dont 121 structures étrangères et 139 structures locales, a présenté avec succès les enjeux économiques de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest lors du Forum international des investissements en Côte d'Ivoire 2014. Great Event TV, qui était au cœur de ce grand événement, a rencontré certains exposants pour faire connaître la particularité et l'intérêt de leur activité au monde. Nous voulons venir en Côte d'Ivoire parce que nous croyons que la situation géographique de Côte d'Ivoire nous ouvre les portes pour toute l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes là depuis un mois. Nous avons des unités mobiles médicales et bancaires qui circulent sur Abidjan. Et nous souhaitons aussi rentrer dans tout ce qui est collecte de déchets et matériel d'équipement d'assainissement. Je viens de la société Frumecar, une société espagnole qui fait des centrales à béton. Je crois que c'est un pays qui a beaucoup de choses à faire. Il est dans un moment qu'il y a beaucoup de boulot. Donc c'est très important pour les sociétés de l'Europe de revenir ici, de s'installer ici parce que c'est très intéressant. Nous avons un partenariat avec Grimed, qui est notre distributeur local, équipe médicale. Dans le domaine de la santé, nous avons toutes sortes d'équipements, allant du scanner, l'IRM, aux équipements de radiothérapie, de médecine nucléaire, de médecine nucléaire. Mais aussi, nous mettons beaucoup l'accent sur les équipements disons, qui sont adaptés au secteur rural. Donc, que ce soit les équipements de santé vers enfants. Quels sont vos attentes pour ce forum? Nous, déjà, on est très contents d'y participer. Il y a un bel engouement, même nos clients, ils sont très contents qu'on soit présents. Ce qu'on attend, c'est que ce soit ouvert au plus grand monde. Il parle de trois arguments très importants. L'agriculture en elle-même. Les animaux en eux-mêmes et l'industrie. Et il dit pour lui, on ne peut pas séparer ces trois domaines. Il dit qu'on fait de l'agriculture automatiquement, il y a les animaux qui arrivent et derrière ça, il y a la transformation avec l'industrie. C'est pour ça qu'on fait aussi donc de l'élevage laitier et qu'on veut essayer de produire, faire une production laitière moderne aussi. אז אם דיברנו על הנושא של החקלאות בנטפים, חשוב שנדבר גם על הנושא של החיות, שזה חברת אפלמילק שמלווה אותנו בפרות. Donc si on parle d'irrigation, on parle aussi donc de côté des animaux, donc la société Afimilk. Et on sait que la vache israélienne est la plus grosse productrice au monde de lait. Elle donne 45 litres de lait en moyenne par jour, qui est 13 000 kilos de litres de lait sur une lactation. Donc le lait arrive avec de ce côté-là, directement de la vache, et ressort de l'autre côté pour aller dans le tank à lait. Et cette boîte, c'est ce compteur, compte la quantité de litres de lait et vérifier aussi sa qualité. C'est-à-dire s'il y a un problème au niveau de la vache, le compteur il donne une alerte. Et donc pendant toute la traite, on voit le lait qui s'affiche jusqu'à la fin de la traite. Maintenant si la vache elle est malade ou si elle a des problèmes ou si elle a des chaleurs, on le sait directement par le compteur. Et toutes les données sont récupérées dans un logiciel et on gère nos troupeaux grâce au logiciel. Maintenant on peut avoir des troupeaux de 80 vaches, de 100 vaches et même de 45 000 vaches comme on fait en ce moment au Vietnam. Le logiciel il sait gérer des troupeaux de toutes les grandeurs. Je suis ici au forum Investir en Côte d'Ivoire 2014. Je suis en Côte d'Ivoire depuis 1992. C'est un cabinet d'audit, de conseil, expertise comptable. Conseil juridique et fiscal et de Finance Advisory Services. Nous sommes présents au forum Investig en Côte d'Ivoire 2014 pour accompagner tous les investisseurs qui veulent participer aux différents projets de développement. En effet, Deloitte s'inscrit dans le programme du chef de l'État pour une Côte d'Ivoire émergente. Aujourd'hui, le principal projet que nous présentons, c'est la TNT, qui est le passage de l'analogique au numérique. C'est un projet qui est cher au ministère de la Communication, au président de la République, parce que ce passage au numérique là sera effectif à partir de 2014. Et c'est le principal projet sur lequel nous travaillons en ce moment. Et des opportunités de développement, parce que nous inscrivons dans le processus de la mondialisation,
qui veut que la Côte d'Ivoire soit au diapason de toutes les nouvelles réformes concernant l'audiovisuel et la télévision en général. Nous sommes plutôt dans le domaine industriel avec trois usines. La première qui s'appelle MIG, donc elle fait tout ce qui est construction métallique, tout ce qui est haute chaudronnerie. Dans le domaine de l'énergie, donc on fait tout ce qui est construction de plateformes pétrolières, tout ce qui est pipeline, tout ce qui est projet aussi oil and gas. Dans le domaine en fait de l'agriculture, nous avons à peu près une vingtaine de références des attachements agricoles, donc tout ce qui concerne les charrues, les bennes. Dans le domaine des télécoms, là aussi c'est un point fort du groupe, donc on travaille généralement avec les opérateurs de téléphonie. Dans le domaine en fait du matériel roulant, du transport, on fait tout ce qui est bennes, semi-remorques. À travers ce salon, on compte ouvrir un bureau régional qui va couvrir toutes les activités du groupe. L'entreprise Interco LG, nous avons plusieurs produits sur la place, l'électroménager et puis tout ce qui est numérique. Bon, notre produit innovant actuellement, c'est un split qui chasse les moustiques. Dans le split, il y a des baves qui sont intégrées dans le split, qui émettent des ultrasons. Et ces ultrasons repoussent tous les moustiques. Et à partir de ce split, il n'y aura plus de moustiques dans vos maisons. Il repousse jusqu'à 70%. Nous invitons tout le monde à venir explorer, de sorte à ce que chacun puisse faire l'inventaire afin de voir dans quel chemin, dans quel secteur il s'implante. Et nous, nous allons jusqu'au domaine du tourisme, parce que la région de San Pedro est la région touristique, la région balnéaire par excellence de la Côte d'Ivoire. Nous avons fait de l'événement et du développement économique notre passion.